Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fatcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette nouvelle vidéo, ça va être des unboxings de figurines. Vous avez déjà vu que j'ai quand même déjà fait pas mal ça sur la chaîne. Ici, on va unboxer trois figurines, et donc on a une méga pièce que je vais vous prendre ici, qui est quand même vraiment une grosse pièce, puisqu'il s'agit de Bardock en Masterpiece. On a également donc une Naruto, donc ça c'est une Shikamaru du coup, donc voilà de Naruto Shippuden, la Vibration Star, donc une Vibration Star. Normalement il y a également la Naruto en mode ermite qui va avec, et voilà normalement je l'aurai certainement incessamment sous peu. Et après on finit avec une autre licence qui est, que j'ai pas encore en figurine, mais que j'aime bien quand même, que j'apprécie plutôt pas mal, c'est une popote parade de Meliodas, donc de Seven Deadly Sins. D'ailleurs on va commencer par la Meliodas. Allez, on va aller unboxer tout ça. Comme d'habitude, pendant le montage de la figurine et l'unboxing, etc., il y aura certainement de l'accélération. Attendez. Hop. Donc voilà déjà que ça se présente comme ça, le petit Meliodas, donc avec son épée. On a ici le socle, ça a l'air d'être assez simple à monter, donc on va la monter directement. Si j'y arrive quand même à ouvrir l'emballage, voilà. Et du coup, ça se glisse ainsi, si je ne dis pas de conneries. Ok, non, attends, hop. Ça a l'air comme ça, hop là. Et voilà donc le petit Meliodas donc voilà, sur son petit socle. Magnifique. Donc maintenant on va attaquer la Naruto. On va garder la Bardock pour après, le meilleur pour la fin, comme on dit. Alors, la Shikamaru, du coup. Shikamaru qui fait quand même partie de mes personnages préférés de la licence. Quand même, il est intelligent, voilà, il est quand même assez stratège. C'est un très bon perso. Quoi. Hop. Boum badaboum. Et voilà, donc comme d'habitude avec ce genre là, ça se présente comme ça, donc il faut la monter entièrement. On y va. Et donc voilà la Shikamaru, donc avec sa manipulation des ombres. Voilà, franchement, excellent. Encore une fois, une très bonne qualité de figurine. Franchement, ils font vraiment de bonne qualité, que ce soit donc les Vibrations Star, les Pop-Up Parades. Et ici, donc on passe à la gamme encore supérieure de figurines, puisqu'il s'agit des Masterpieces, donc de Dragon Ball. Je les ai dit One Piece, donc de Dragon Ball. Et donc un grand format, là en l'occurrence, vous ne voyez rien du tout. Voilà, grand format de Bardock. Allez, on va aller ouvrir ça. Hop là, si j'y arrive. Donc elle est déjà montée, ou je sais pas si elle était déjà qu'elle était démontée à la base, parce que c'était une figurine qui était donc en exposition en fait, hein, dans le rayon. C'était la dernière qu'ils avaient, mais du coup j'ai quand même décidé de la prendre. Voilà. Pour changer un peu aussi, hein, j'ai beaucoup de Goku, j'ai beaucoup de Freezer, de Black Goku, etc. Et de Bardock, j'en avais aucune, alors que c'est quand même, boum, un personnage que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, j'ai décidé de la prendre tout simplement. On va sortir tout ça, poser ça là, voilà. Et donc, elle se présente ainsi, c'est à peu près, je crois, dans la même gamme que de mes Super Saiyan 4 que j'ai, et d'autres formats, voilà, en grand format comme ça, avec le pied juste. J'ai aussi un Goku à peu près dans le même genre, en très grand, et aussi qu'un pied juste pour le tenir. Donc, on met dans le pied, si j'y arrive. Voilà, et donc Bardock est calé. Et il va avoir sa bonne petite place en vitrine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker, partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, à me suivre sur mon Instagram qui se trouve en description. Et moi, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye, j'espère que la vidéo vous aura plu.